Parce que le bourget, il est dessous, là. Ah ben, il est dessous, oui, il y est, oui. Il, est... il y avait le pont. Il y avait le chemin qui était bien plus bas qu'aller à Pétière. Oui, oui. Après, ce bec-là, la route continuait en dessous et on arrivait à Briard, à peu près, où il y a ce sapin là-bas, au fond. Là-bas, au bout, là-bas. Oui. Oui. J'aurais jamais cru que, en faisant ça, qu'on en reparlerait longtemps après. Hein. Moi, je faisais ça pour m'amuser. C'était, ça me passionnait, ça m'amusait. Et puis, j'aimais la musique, j'aimais ça. Il aimait chanter, il aimait tout, hein, de ce côté-là. La chansonnette. Faire des films, chanter, tout ça. Alors, après la guerre, on l'a fait retrouver. Et puis, on faisait des sorties. Le dimanche, par exemple, avec plusieurs copains, on allait sillonner les villages où il y avait des fêtes. Et puis où il y avait des fêtes, on s'arrêtait, et puis déballait l'accordéon, puis on s'amusait, on chantait, voilà. Oh ben ça, j'ai envie. Et puis on est descendu à Bria, le café Balin, oui. Des filles qui venaient du pays à côté, du Bourget, du Péage. Des petits villages, oui, ça se touche. Elles sont venues. Et puis elle avait envie de danser, elle disait à Coquelin, vous n'avez pas votre accordéon, puis il ne l'avait pas. Alors, moi, il y a un copain, Marcel Lacroix, il avait une moto, j'ai dit, ben tiens, puisqu'il veut le danser, on va aller chercher le tourne-disque chez nous, puis les disques. Et c'est ce qu'on a fait, on a amené le tourne-disque, les disques, on a branché dessus le poste de radio, et on a fait danser. Et c'est là que Denise, je l'ai vue avec sa sœur. Et puis j'ai dansé avec elle. Puis après, j'avais 17 ans. Puis après, avec quoi? Il avait 29 ans. C'était fait. Le coup de foudre. Ils s'aimaient depuis deux jours à peine. Il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin ne fut plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, aussi pur que leur tendre 20 ans. C'est la romance de Paris, dans tous les coins elle se rit. Elle porte aux amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. C'est pas Hugo aussi qui chantait bien. J'étais content d'avoir trouvé une jolie petite blonde. On s'est marié donc à 47. Avant le mariage, il a fallu aller au ravitaillement pour avoir de la farine, faire du pain blanc. Parce que ce n'était pas du bon pain qu'on avait, c'était du pain jaune. C'était après-guerre. C'est pas bon le pain. Oui, alors, le Riquet de Soubonnat, une ferme, il était cultivateur et il était suisse, je crois. Oui, oui, hein? Oui, c'était suisse. Riquet, il m'a donné du blé. Alors, ce blé, on l'a mené chez le... Chez le bon d'Ivel pour le moudre. Voilà. Et ça fait de la farine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et dans la farine, on l'a mené au boulanger qui était à la rue du Jura. Moi, je connaissais Besson. Personne, hein. C'est pas moi qui allais, je connaissais personne. Voilà. Ils ont eu du pain. Alors, ils m'ont fait une fournée de pain pour blanc. La première fois, après-guerre. On a fait le repas chez ta mère, tout serré comme des sardines dans une boîte. Bon. Mais il y avait quand même ce qu'il fallait, Fivet, tout. Il y avait toute ma parenté. Alors, il y avait 29 ans, bien tassé. Il y avait mon oncle Jules, il y avait mon cousin Jean.
Oh, il y avait sa copine, la musette de cœur. Il y avait l'Oscar Buffet, puis Blanche, une cousine. Alors, ma mère, Madame Chevassu, la mère à Victor. Mon père était très sévère. Enfin, hein. À Chevassu, les principes. Il y avait le Gabi. Non, le. Moi, j'avais le tas. Qu'est-ce que tu mets là-bas à la télé? Nos disques. Bon, c'est pour ça que ça marche pas. Qu'est-ce que c'est qu'il dit encore? Attends. Voilà, le tiroir s'ouvre maintenant. Au pays. Bon. La cassette est ressortie. Attends. Là, il faut mettre le disque là. Voilà. C'est unanime pour souligner le scandale. Garou-Garou est un provocateur de gauche. Oh, ben, l'humanité accuse le ministère de complicité. France Dimanche annonce que 80% des Françaises sont, entre parenthèses, amoureuses de Garou-Garou. C'était pas moi. S'il existe Garou-Garou, c'est un surhomme, un génie. Ça va? Un génie. Mais c'est toujours pareil, il faut. Moi, c'est un voleur. C'est un qu'est-ce qu'il faut? Faut que je me lève pour aller la voir. Allez, où tu vas? Maintenant, vous allez voir les films que j'ai faits en 1945. Oui, c'est le curé de Moirat qui m'a prêté une petite caméra avec des petits films de 10 mètres. Alors j'ai commencé avec ça. Tout de suite, je suis descendu en bas de Moirat, j'ai fait les Roches du Car. Et j'ai pris la pancarte de Moirat et je suis monté sur la place. Et c'est là que j'ai commencé à filmer les gens, mon cousin, et puis les gens que je connaissais, quoi. La petite Jeannette, sortie de la messe, on voit Michel Villot, on voit, je cite les noms qu'on voit, Marcel Vincent, Bébé Villot, Loulou, sort du café, Clovis Monnier, qui est encore vivant maintenant, Gaston Coquelin, Bondier, Moya, Clovis, Marie-Louise Broca, voilà, c'était sur la place. C'est le premier film. D'une nouvelle perturbation par l'ouest avec de la pluie, du vent, de l'Aquitaine à la Bretagne. Elle progressera ensuite vers l'est cet après-midi. Elle s'étendra des Pyrénées à la frontière belge, mais ce sera sec à l'est, sur les régions de l'est. Du soleil seulement dans le midi, les températures de 7 à 15 degrés, 10 à Paris et à Lyon. Un grand merci à vous tous, auditeurs de RTL, qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Grâce à vous, nous sommes plus que jamais la première radio de. Voilà, et vous savez du coup. Ben moi, ouais, elle parle vite, hein, parce que si on peut pas écrire à mesure. Non, ça fait rien, enfin, ça ne va pas mourir pour ça. Les ans, ouais. Il n'y a pas autant de ça. Bon, ben d'accord. Bon, on est avec ma mère pendant 2-3 ans. Après, on est allé sur la place. Le pasteur, on était en plein centre de Moirat, on avait tout sous la main. Mais oui, mais maintenant, il n'y a plus rien. Oui. Je me plaisais bien quand j'étais jeune, hein, le pasteur. Ah, c'était animé, il y avait du monde. Surtout le samedi, le vendredi. Mm-hmm. Puis il y avait la musique, il y avait là les concerts un peu partout, sur la place.
Ben oui, mais... Dans, on en est dans fait. Oui, il y a un mois, il y a eu une époque, bien sûr, qui était bien. Maintenant, comme le dimanche, on ne voit pas un chat. Non, non, non. Il n'y a rien, il n'y a personne. C'est, puis maintenant, c'est pas se faire, cette vie. C'était le bonheur. Fêtes, les grandes fêtes foraines. C'était le bonheur. C'est tout perdu, ça. Malgré qu'il y avait des restrictions, qu'on ne mangeait pas comme maintenant. Mais on était heureux quand même. Oh, on était jeunes. Voilà encore des films. Quand j'ai commencé à filmer en 1945, René Morel il m'a dit, mais il faut les voir, madame, chez Barion, ils ont fait des films en 1930. Avant, ben, je lui ai dit, ben, il faudrait que, en parler à sa fille, madame de Toulec. Et puis, elle nous a mis des films que Barion avait fait. J'ai mis ces films en ordre parce que c'était tout... Emmêlé, quoi. Alors, j'y vais et j'ai repris les films de 1930. Pour venir jusqu'en 1938. Voilà. Ça commence. Il y a des gens qui jouent là. Alors là, on va voir là, les footballeurs. Là. Je les connais tous. Le Père Paulus, le Père Paulus, le Signori, le Costaud qui est mort il n'y a pas longtemps, qui est mort heureux. Le Barbès, Léon Guériot, Jean Monneret, Botta, Yann-Alexandre Guériot, le Bonneau, Corrier. Il y a quelques-uns que je ne connais pas. Ça, c'est le tour de France au col de la Savine. C'était en 30 aussi. Il y avait Pélissier et le Duc. Les pompiers de Morin, 14 juillet 1930. Un peu plus vite. Voilà. Il faut qu'il marche un peu plus vite quand même. Il passe sur la place là.
Là, des gamins de moi, hein, là, moi j'y étais aussi, j'avais 12 ans. Ça, c'est le petit Marat, ça, c'est le Vincent Marat. Voilà mon instituteur qui est derrière le footballeur, là. C'est mon premier instituteur, Lucien Louvet. Voilà Barbier, lui Barbier. Les pompiers. Paul Bouillet, je crois que c'est Paul Bouillet ou Tabourin qu'il y avait. Parce que mon père était pompier aussi à ce moment-là, en 30. Voilà, lui forestier. Madame André Dickel. En 1931, je me rappelle qu'il y avait des chats. Les chats défilaient dans Morin. Mais je ne savais pas encore à ce moment-là si un jour j'allais y voir. Alors là, il y a le bonnet de la nuit. C'était les contes d'Hoffmann. C'est la nuit, la 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 la. Les inconvénients qu'il y a. Les crins sont cafés par endroit. Et puis là. J'ai eu Dédé le 1er novembre 1948, j'ai eu ma fille
28 décembre 1949. En 1954. Le l'aîné. Celui-ci. Et en 1954, et puis Jean-Claude. Le Jean-Claude en 1959. Il était coupé déjà le film. Ouais, ça fait un peu. Je coupe. Alors, quand c'est le dos, l'image n'est pas touchée là. C'est juste le dos du film. Attends, je relève un coup et puis avec les doigts j'appuie et je referme. Là, et on attend quelques secondes. C'est raccordé. Ha ha ha!
les voilà, les footballeurs. Ils sont joyeux, pleins de jeunesse. Au combat, ils vont sans peur, hardis les gars et haut les cœurs. Et viva les footballeurs qui se bagarrent avec adresse. Beaux garçons, voulons les cœurs. Voilà, voilà, les footballeurs. L'organisation du sport en France sera traitée sur le plan national par la propagande en tout milieu et la diffusion dans la masse de méthodes, de techniques et d'une mentalité sportive. Les terrains existants seront d'abord aménagés en stades d'entraînement convenant à la fois à l'éducation physique et au sport de compétition. Un de nos premiers soucis sera donc d'intensifier la diffusion du sport et de l'idée sportive. Donner à tous les moyens d'améliorer leur santé, et à certains, ceux de développer au maximum leurs aptitudes pour leur permettre d'accroître le renom sportif de notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la direction du Radio Circus vous présente ce soir un numéro unique au monde, la file de feriste Mamselle Lotus. Mamselle Lotus, je soutiens Mordicus, qu'il n'est rien de plus beau que Radio Circus. Ah, quelle est belle la file de feriste, la file de feriste du Radio Circus. Ah, c'est vraiment une très grande artiste, la file de feriste du Radio Circus. Venez voir Mamselle Lotus. Venez voir Radio Circus. Petite localité. On savait qu'il n'allait pas assez. Et c'est là que le chef de l'État est entré selon son habitude. On savait, le jour qui passait, c'était annoncé partout. Rien n'empêchera les choses de se faire comme la France a voulu.
qu'elle se fasse. Il alors moi, j'avais ma caméra, puis j'ai pris un petit minef, et puis je suis allé sur la place. Alors j'ai commencé à le filmer quand il arrive. Il était debout sur l'auto qui l'emmenait. Et puis je l'ai filmé quand il a pris un bain de foule. Je lui ai dit bonjour mon général. Bon. Jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et ça, je l'ai en couleur, ça. Pour elle-même, mais aussi pour être puissante, pour pouvoir assurer sa mission, qui est celle de l'établissement de la paix avec la liberté, l'égalité et la fraternité. Oui, contre un culé d'insectes, bon de catch. On va refaire un essai. Là du dimanche, c'était à descente à Bria. On arrivait là-bas, c'était le casse-croûte, c'était boire des canons de vin, quoi. De... C'était la belle nuit, quoi. Le café Viermo, il y avait une terrasse. Ah oui. Et puis, ils faisaient danser de temps en temps sur la terrasse. Ils vendaient l'essence, ils faisaient. Et ils faisaient des bons repas, on descendait manger là-bas à Bria souvent. Là-bas aussi. C'était voilà. Chez Balin. Oui, chez la Charlotte. La Charlotte. Puis chez la Vitaline Viermo. Voilà. La 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 la. Aujourd'hui, il me semble nouveau. Et puis surtout, il y avait toi et moi. Ces deux mots ne vieillissent pas. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Tous les deux amoureux, nous avons dansé sur les roses de ce temps-là. Mmh.
C'était joli cette vallée, hein, fleurie, il y avait des pommiers. C'était en bas de la côte. C'était magnifique. C'était tout. Il y avait tout. Ah oui. Oh, ben c'était jolie rivière qu'on avait. Claire comme l'eau de roche, hein, c'était. Oh non, 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 non. Ici, moi, tu devrais voyer. Moi, je me vois là-bas avec mes parents. On a vécu là-bas, c'est dans ma tête, tout le temps. J'ai quitté là-bas. Ça m'a resté exactement comme j'ai vécu chez moi. J'ai pas besoin des films pour avoir un grand souvenir de Bria. Moi, je vois mon père comme si c'était hier et je vois comme ça. Tout. Ah non, ça s'est gravé, hein. C'était, écoutez, un petit village, c'était formidable. C'est pas qu'on avait tout, parce que, bon, le primeur passait, on avait quand même une école, on avait une fromagerie, puis il y avait une petite épicerie. On était vraiment bien, bien, on peut pas dire. Et puis il y avait d'ailleurs, des petites usines, hein, qui travaillaient entre-temps, hein. Ils faisaient de la tournerie, l'Élysée. Oh, il y avait des tourneurs. Il y avait tout, hein. Il y avait des tourneurs, et puis il y avait des cultivateurs, hein, aussi. Résultat, 50 tonnes d'acier sont dans le cours de l'Ain. Dans quelques mois, elles seront submergées par la mise en eau du barrage de Vouglans avec une retenue d'eau longue de 35 km. Ce barrage de Vouglans qui vient d'être mis en eau est un mur de 550 000 m3 de béton et il barre la rivière d'Ain en créant une retenue de plus de 600 millions de m3 qui vont permettre de produire annuellement 235 millions de kWh dont le pays a tant besoin. On peut pas y croire, hein. Ah ben non. Oh, tu vois, à la fin, ils disaient, oh, pas, je sais pas se faire. Mais c'est quand les soldats sont venus qu'ils ont fait sauter le pont. On a dit, c'est toi, c'est fichu. Ben, c'était en 1968. Mon père était mort il n'y a pas longtemps. C'était en 68. Il n'a pas connu. Il est mort à 56 ans. C'est deux jours après le mariage de Viviane. Oui, deux jours après le mariage de Viviane. Oui. Ah ben ça nous a serré le cœur, hein.
Ici, nous envisageons de réaliser une plage publique. Nous aurons un parking. Il y aura un lotissement touristique avec des chalets. Nous comptons d'ailleurs fermement assurer un avenir touristique certain à notre commune. C'est comme ça, hein. NTC, PAL. OK. Voilà. Entre la mise. Bon. Le téléviseur là-bas. Hein? Le meuble. L'horloge. L'horloge. La devise va falloir être enregistrée là. Ça marche. On a monté le saint plomb. Oui, mais c'est vrai, moi. Et j'avais une Versailles que j'avais achetée, c'était en, 60, en 61. Il a fallu s'arrêter au, c'est un endroit parce qu'elle chauffait.
Coquelin avait déjà été en Italie avec un vicari, il connaissait un peu la route. Oui, voilà, ah, oui. On a d'abord été voir la grande statue. Ah oui, ben j'ai pas été. De Don Carlo. Oui. Saint-Charles de Borromée. Oui. On a monté dedans. Ah ben moi j'ai pas voulu y aller. Oui, monumental, colossal. Puis on a connu des parents, on a connu des cousines, qui étaient pas mal d'ailleurs. Les... Puis j'ai eu de la famille, moi, là-bas. Et puis après, D'après, on est à la Turin. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Dopo tanti, tanti mesi ora so cosa sono. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te. C'était où qu'on avait été, tu sais là? Ah oui, c'était à Lyon-Charbonnière. Ah, oui, la Charbonnière. À Charbonnière. Oui, oui. On avait il avait fait un, comment on appelle ça? On avait été invité. Le séminaire, quoi. C'était Rabbi. Avec ça. Rabbi, Rabbi qu'on connaissait Rabbi. Bien. Alors, lui, hein. Alors, on est allé, on a bien mangé, bien sûr. Et c'était un casino. Oui, c'était le casino, quoi. Ouais. Je marchais avec la femme de Sacha, oui. Puis toi. Oui, oui. Hein? Et on marchait dans l'allée où il y avait des roses autour. Oui, non oui. Oh ben oui, c'était bien organisé. Hein. C'était l'époque Clarville, ça. Puis Océanique aussi, Océanique. On en a vendu, hein. On a travaillé. Hein. Les premiers postes. La télévision transformera votre vie. Grâce à la télévision, sans quitter votre fauteuil, vous pourrez assister de chez vous à tous vos spectacles préférés. Vous devez avoir chez vous un appareil de télévision. Théâtre, variété, musique, voyage, actualité, match, compétition sportive. Et il ne vous en coûtera que quelques milliers de francs par mois seulement. Lui, il voyait les affaires comme vu la classe qu'il avait. Moi, il a toujours géré, il continue. Quand il a décrété de ne pas faire quelque chose, de ne pas acheter quelque chose, c'est décrété, c'est pas la peine d'assister. Je reconnais, il a beaucoup de qualités parce que c'est de ce côté-là, le métier qu'il a fait savoir après. Ça, il faut reconnaître que c'était quand même, il avait une tête, il faut reconnaître. Yeah, yeah. Hey, 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 folie. Quand tu rentres, mon amour, tu vas sourire. Et c'est reparti pour 8 jours. Yeah. Yeah. Tourne chez ta
Énergie. Ouais. Que ce qui a été accompli ici est... Qu'ils ont à nouveau autorisé la... C'était fini, Beauville, non? Entre autres. La chante aussi. Souviens-toi, mon amour de vie.
septembre, pour que naisse un roman, simplement quelques mots ont suffi. La chanson du bonheur, lointaine et tendre, c'est l'écho dans vos cœurs qui nous redit que la vie a vraiment commencé par ce jour de septembre, où le vent tendrement fredonnait la chanson.